La brocante, elle est ici. On va voir si ça commence. Bon, elle n'est pas dans les toilettes. Hein. C'est pas ça la brocante, c'est pas les toilettes. On va voir si on trouve des choses à 7h-ci, puisqu'il est 7h. Vous pouvez voir, il fait jour. Ça commence à s'installer. Non, pas moi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ah oui, ouais, oui. Ah oui, effectivement. Franchement, ça dormait dans la carte. Ouais. Oh, ça va se vendre, hein, de toute façon. Ouais, quand je regarde les titres. Ça tort, ouais. Ah, c'est dommage, hein. Ouais. C'est des trucs sympas. Vous les faites à combien, sinon? 2 euros. 2 euros. C'est dommage. Après, je sais qu'en général, les disques, ça fonctionne. Oui, il y a le disque qui va fonctionner après, hein. Si la personne veut juste le disque. Oui, oui. C'est juste la boîte, elles sont abîmées, mais sinon. Ah, c'est dommage. Bonjour. Bonjour. Tu fais combien les jeux? 40 euros. 40 euros, d'accord. Celui-là fait 80 euros. Donc 4. Merci. Ouais. Vous n'avez pas de jeu parce que je vois qu'il y a une manette. Ouais. Bon. Ok. Non,
La poupée là. Je suis là qui a la casquette. Gilles. La poupée là. Bon bah deuxième brocante, Saint-Paul. Là il y a des exposants partout, il y en a là, il y en a partout, il y en a là. On va voir si j'ai trouvé quelque chose. On va trouver un petit film. Il est dans le sac. Tout ce que j'ai trouvé par ça. Bonjour, vous faites combien? Bonjour, vous faites combien les consoles? Bonjour. La Dreamcast par exemple, tu fais combien? 60 balles, comme 100. Ça. Ah, comme ça? Ouais. Ouais. Je sais pas combien tu me proposes. Ah, parce que là, il n'y a pas les câbles, il n'y a pas la ouais, manette, je sais pas si ça marche. 20 euros, pas plus. Hein. Je suis arrivé à Gif-sur-Yvette, il est super beau, regardez-moi ça. Là, ça commence, regardez, tout est plein. Tout le monde est là, donc on va espérer trouver quelque chose. Là, on voit qu'il y a des stands ici, là. Ça peut être intéressant. Ah, c'est parti. Mais je veux faire quelque chose. Ou non. Tu fais combien? Il y a 10, monsieur. 10. €2 le bourret. Oui. Et si c'est pas ouvert, ce blister, c'est bon. Ah oui. J'ai jamais vu ces jeux. Alors les PS3 sont là, monsieur, ils sont par là. Ouais. Il y en a un qui est là, mais là, ici, c'est les boîtes qui ne sont pas ouvertes. Ici. Ah d'accord, ok, c'est les boîtes et pas ouvertes. Les PS3, voilà, les PS3, ils sont là. Ok. Tu fais à combien celui-là? À 5 euros celui-là. D'accord. Tous les jeux PS3 sont plus à 5. Ok. Il y en a qui sont à 10, il y en a qui sont à 8, ça dépend desquels. Et il y en a qui sont peut-être plus chers, qui sont sur Pister. C'est combien? Enfin, plus cher, je dis, il y en a peut-être un ou deux qui a 20. D'accord. 2 euros, madame le mental, bon choix, 2 euros. Je connaissais pas ce jeu. Snoopy. Les BD sont entre 2, 3 ou 4. Je te pense, tu fais à combien celui-là? À 5 euros. 5 euros. Je connaissais pas du tout Snoopy. Regarde. Tu fais à combien les jeux? C'est 1 euro, mais faut voir parce que des fois c'est pas les refs, les références de vente. Faut vérifier, faut voir l'état aussi. Parce que je peux pas vous. Il y a un petit carré et puis. J'avoue que ouais. T'as cassé la boule. On voit qu'on a perdu la 7ème. C'est à combien le. Où est-ce qu'elle est par hasard? Il faut voir le détecteur. Faut le détecteur, hein. Il est où le détecteur? C'est combien le Blu-ray? 30 euros. Et les jeux, tu les fais à combien du coup? Les jeux, c'est 4 euros les 3 pour 10.
La France Day. J'attends mon ami, je sais pas ce qu'elle est. Bonjour, c'est combien coffret à Angus? 30. Vous avez que ça après en jeu, hein, sans tout. Ouais, ok. Bonjour, tu fais combien? Je fais à 15. D'accord. Alors, tu fais pas au dessin derrière? Ouais. C'est très beau graphiquement. Mais ouais, je connais, hein. Je connais très bien. Ok. C'est le tien d'origine ou c'est... Non, il me l'a pas acheté. Ah d'accord. Ah oui, il l'a pas acheté. Ah ouais, d'accord. Je l'avais vu dans un magasin, j'étais là, ouah, putain, c'est quoi du jeu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, je fais mon petit tour et je vois... Et c'est parti pour le compte rendu de vide-grenier. Donc j'ai fait plusieurs vide-greniers. Donc c'est un peu tout mélangé, mais vous verrez à la fin, bon, au final, ce que j'ai récupéré, c'est vraiment pas mal. Donc on va commencer par une petite figurine d'une série que j'apprécie beaucoup. Vous la connaissez tous. C'est une série des années 90 qui passait sur Fox Kids et sur TF1 au Club Dorothée. C'est la série Power Rangers. Et je récupère la Ninja Ranger Rose. C'est-à-dire, regardez-moi ça, Kimberley en version Power Rangers Lightning Collection. Donc c'est une collection comme ceci. Il y en a plusieurs. Il y a quasiment une bonne partie des Mighty Morphin Power Rangers. Bon, il n'y a pas tout qui est sorti encore de toutes les séries de Power Rangers qu'il y a, parce qu'il y en a énormément. Il y en a une trentaine de saisons et environ plus d'une centaine, voire 200 personnages de Power Rangers. Donc là, en l'occurrence, j'ai récupéré cette petite figurine du Ninja Rose. Il y en avait deux dans la brocante, hein, c'était à Cour de Vincennes. Il y en avait deux, j'en ai récupéré une. L'autre, elle avait les mains qui se barraient. Bon, celle-là, elle est toute neuve. Il y a encore le petit scotch
de protection. Donc c'est la version qui me paraît. Donc on peut interchanger les têtes, vous voyez, on peut avoir le Ranger Ninja avec le masque complet, le masque semi, c'est-à-dire on voit juste les yeux, et puis le visage de Kimberley avec le bandana juste au-dessus de la tête, comme vous pouvez voir. Et il y a aussi des mains pour faire des effets comme ça de ninja. Donc vu que c'est des Ninja Rangers. Donc là, je récupère le Ninja Ranger Rose. Sachant que ces figurines valent à peu près dans le commerce une vingtaine d'euros, voire plus. Hein. On est sur du 20, 25, voire 30 euros. J'ai réussi à les récupérer pour 10 euros. Bon, je n'ai même pas eu besoin de négocier. Hein, parce que ça, comme ça, en neuf, c'est ouais, une vingtaine, 25, voire 30 euros. Et il y a même certaines figurines qui valent même plus de 100 euros. Donc aujourd'hui, c'est une dinguerie. Donc très content d'avoir récupéré cette figurine de Power Ranger rose. Je récupère aussi à cette même brocante un Blu-ray, le Blu-ray d'un film Marvel, c'est le Blu-ray de Ant-Man et la Guêpe. Donc Ant-Man c'est lui et la Guêpe c'est elle. Donc il peut se transformer en fourmi, la taille d'une fourmi, ou il peut se transformer en la taille d'un Godzilla, un truc immense. Il peut se changer de taille avec un costume que vous pouvez voir ici aussi, là hop juste ici. Donc là il y a tous ces acteurs. Est-ce qu'on peut citer des acteurs? Ah, c'est trop petit le nom. Donc je vous rassure, il est bien en français, hein, malgré qu'il est multilangue. Il est en français, tout est écrit dessus. Bon, après, à l'intérieur, j'avoue que le CD, par contre, ils auraient vraiment pu faire un effort, Disney et Marvel, parce que franchement, ça, c'est pas ouf. Hein. C'est livide, c'est moche. Et on aurait pu mieux faire. Bon, j'espère qu'un jour ils sortiront une collection de Marvel un peu mieux que ça, parce que là j'avoue le CD juste bleu avec marqué Ant-Man et la Guêpe en français et en anglais, j'avoue que c'est pas ouf, hein. Ils pourraient faire un effort. Bon, bien sûr c'est compatible avec les lecteurs Blu-ray PS3, bon, ça on savait un petit peu déjà puisque ça fait partie de Sony. Donc j'ai récupéré ce petit Blu-ray de Ant-Man et la Guêpe pour la somme de 2 €. Je récupère à la brocante un jeu PlayStation 2 en édition boîte cartonnée, et c'est l'édition boîte cartonnée un peu commune du Shadow of Colossus sur PlayStation 2. Regardez-moi comme c'est magnifique, il est en super bon état, tout est nickel, regardez ça, en plus c'est en français comme vous pouvez le constater, voilà, chevaucelé vers l'inconnu et l'au-delà. Donc, mis à part le petit star qu'il y a ici, franchement, c'est du 9 sur 10 au niveau de la boîte. Bon, à l'intérieur, hop, on peut l'ouvrir comme ceci. Et vous verrez comment c'est à l'intérieur. Et voilà, c'est comme ça. On a une petite notice avec des cartes postales à l'intérieur. Bon, je vous présente vite fait la notice. Elle est comme ceci. Bon, j'ai pas besoin de vous faire. Vous savez ce que c'est qu'une notice. Et les petites cartes postales qui sont là et qui sont au nombre de 4. Nous avons 7. Ah, attendez. Pour les plus fans d'entre vous, on a cette carte là, on a cette carte là, un petit peu en relief, hein. On peut sentir un petit peu les reliefs. On a cette carte là, puis cette carte là que je sais pas à quoi ça représente, hein. Je crois que c'est de la nature ou je sais pas ce que c'est. Donc le coffret est franchement magnifique. Donc voilà, ce coffret est vraiment magnifique. Quand je le déplie, ça ressemble à ceci. Le CD, bien sûr, il est en parfait état, regardez-moi ça, il y a juste des poussières, mais franchement, il est en état 10 sur 10. C'est très rare à trouver, surtout dans cet état-là. J'étais sur une pile de DVD, je suis content de récupérer ce Shadow of Colossus. Je l'ai payé pour la somme de 5 €. On passait au unique jeu PS4, un jeu PS4 que Conquerax avait parlé. Bon, bien sûr, la version française apparemment vaut très cher, c'est juste une jaquette, hein. Mais la version anglaise, par contre, ça vaut que dalle. Ça vaut une dizaine, voire une vingtaine d'euros si vous avez la chance. Mais vu état, 20 €, non, j'aurais même pas mis 20 € pour ça. Donc c'est le jeu que j'ai fait en let's play récemment, vous avez pu le voir. C'est le jeu Snoopies. Snoopies parce qu'il y a un S, hein, c'est au pluriel. Et vous voyez, bah, c'est marqué en anglais. Alors c'est la grande aventure en anglais. Mais en fait, c'est la grande aventure en français. Donc c'est tiré du film Snoopy, la grande aventure. Voilà, le film d'animation, la boîte franchement est pas ouf, et puis la jaquette c'est pareil. Donc ce jeu là normalement sur internet il vaut très cher, mais que avec la jaquette française. Pas d'intérêt, franchement ça change pas grand chose.
puisque à l'intérieur, le jeu, bah, lui, il est bien en français, puisque vous avez pu remarquer sur mes Let's Play que le jeu passait en français. Donc, faut pas oublier ça, une chose, c'est que, bah, en fait, les jeux sont tous en multilangue. Donc, il y a la VF, il y a la VO, il y a tout ce que vous voulez comme langue. À partir du moment où vous mettez le menu de votre console avec la langue que vous choisissez, bah, elle se mettra dans la langue que vous avez choisie principalement. Donc il y a juste la jaquette, hein. Vous imprimez une jaquette en français, en papier glacé, et franchement, vous, en français, les mecs ils y viraient que dalle. Bon, je sais pas que ça va faire moi. Voilà, j'ai récupéré ce Snoopy pour la somme de 5€. J'y ai joué, il me reste encore quelques trophées à faire. Vous pouvez le voir en let's play sur ma chaîne. Vous regardez dans les directs et vous verrez le let's play. Donc j'ai payé ce Snoopy pour la somme de 5€ et pas 2000€. Le dernier jeu que j'ai récupéré, c'était à Gif sur Yvette. La personne qui le vendait m'a reconnu. Alors moi au début, j'ai pas connu. Je crois que c'était quelqu'un qui, en fait, j'avais déjà vu dans des anciens stands. Et en fait, non, pas du tout. Il regarde mes vidéos. Donc je te dis salut à toi et merci de m'avoir vendu ce petit jeu. C'est qui est un jeu Mega Drive, un jeu très ancien que le joueur du grenier a fait une vidéo dessus, qui a atteint des scores incroyables. Puisque vous savez que le joueur du grenier, lui, il fait des scores de malade avec des jeux comme ceci. Et justement, celui-là, on le fera un let's play spécial avec, du coup, en parlant du joueur du grenier. On testera le jeu. On testera le jeu Sword of Sodan. Donc Sword of Sodan, hein, franchement, ça fait rêver quand vous voyez la jaquette. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Mais quand vous y jouez, hein, pour ceux qui ont vu les vidéos du joueur du grenier, c'est une catastrophe. Et du coup, nous, on va faire comme le joueur du grenier, on le fera en let's play. Il faut juste que je réinstalle la Mega Drive et tout le bordel pour pouvoir le faire en let's play. Ce sera un let's play spécial joueur du grenier sur Sword of Sodan. C'est sorti en 90 par Electronic Arts, que tout le monde connaît, hein, les Need for Speed, Road Rage, Desert Strike, Jungle Strike. Les jeux Electronic Arts, on les reconnaissait facilement sur Mega Drive. Ils ont toujours ce bord-là, c'est-à-dire le bout jaune et vous voyez la partie noire avec le titre dessus. Et surtout à l'intérieur, ce sera assez reconnaissable parce que, voilà. Pourquoi je dis que c'est assez reconnaissable? Parce que c'est les seuls à avoir une cartouche aussi grande que ça. Et puis le petit logo qui ne sert pas à grand-chose, qui sert juste à la décoration. Le petit logo jaune avec le triangle, le carré et le rond. C'était les précurseurs de la PlayStation presque, hein. Donc la cartouche, bon, j'ai vu qu'elle a été scotchée. Oula, j'ai fait tomber la cartouche, elle a été re-scotchée. À mon avis, c'est un gamin à l'époque qui a dû faire ça. Bon, il a dû juste prendre de la colle et a pu recoller, puis ça aurait été parfait. Bon, c'est un jeu qui est sorti en 90, hein, je crois que c'est marqué sur la cartouche. C'est un très bon état quand même, bon, juste c'est poussiéreuse. Les cartouches Electronic Arts sont toutes comme ça, hein. Les Jungle Strike, les Urban Strike, les Road Rage, tout ça, les jeux de basket, tout ça, généralement, c'est une grosse cartouche avec le petit bout jaune, comme ça, hein, le petit bout jaune. Hein. Le petit bout jaune, c'est ça, hein. C'est, voilà, quoi, vous avez compris. Donc à l'intérieur, bah, c'est des grosses boîtes un peu molletonnées, un peu style VHS, hein, on peut dire. C'est quasiment ça, hein, c'est le même style. Et à l'intérieur, on a la notice classique en noir et blanc. On a tous connu, hein, pour ceux qui sont des années 80-90, on a tous connu ces notices-là qui sont inversées. C'est-à-dire là, vous avez le français, l'italien et l'espagnol. Et de l'autre côté, si vous retournez, vous avez l'anglais, l'allemand et le suédois. Donc, cette notice va dans cette boîte. Vous avez vraiment pensé à une VHS. Bon, par contre, elle a vraiment morflé. Hein. Vous voyez l'état de la jaquette, hein, là, ça a morflé. Hein. C'est vraiment d'époque, d'origine. Là, ça a été bouffé. Je pense que c'est un chien qui a dû bouffer le truc. Là, on voit qu'ils ont essayé de réparer avec un truc parce qu'il y a du scotch ici qui a bien vieilli, qui a mal vieilli. Hein. Donc, ce Sword of Sodan, je l'ai récupéré pour la somme de 10€ au lieu de 15€ parce qu'il m'a fait une petite négociation à la personne qui m'a reconnu. Je te remercie encore pour le jeu. J'espère en récupérer d'autres. J'aimerais bien avoir tous les jeux Mega Drive de l'édition Electronic Arts avec ce petit bout jaune. Donc je suis très content d'avoir récupéré ce Sword of Sodan sur Mega Drive. Du coup c'est fini, je n'ai plus rien à vous présenter puisque je vous ai fait montrer tout ce que j'avais récupéré dans cette grenier. Bon, c'était assez maigre mais quand même c'était quand même de la qualité. Du coup merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao.